Hello famille, débutons cette journée-là avec ce décryptage-là. Franchement, en tout cas, je tiens vraiment à dire merci à tous ces abonnés-là qui ont attiré mon attention parce que franchement, j'étais tellement en retard, comme on le dit, sur l'actu du Bawan que j'ai pas su qu'il y avait un chef-d'œuvre qui était sorti en fait. Voilà, merci à tous ces abonnés-là. C'est hier même ils ont attiré mon attention parce que quand je donnais l'info sur des Bordeaux comme quoi bientôt il arrivait musicalement, ils m'ont dit: est-ce que tu as déjà écouté son featuring avec Héritier Watanabe? Désormais Héritier Wata. Waouh! Rien à dire quoi. Rien à dire. Rien à dire. Je vais le décortiquer ce son-là tout à l'heure. Vous allez comprendre. Franchement, merci, chers légionnaires, de m'avoir interpellé sur ce gros featuring-là. Et bien avant le rendez-vous de 16h aujourd'hui, veuillez vous abonner. Commentez la vidéo et dites aussi en commentaire si vous êtes d'avis avec moi par rapport à ce que je veux dire concernant ce featuring là. On se prend juste après le générique, les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur et rétable. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage la vidéo. Bon retour, chers abonnés, bon retour. Avant le décryptage de ce gros featuring entre Des Bordeaux et Héritier Watanabe, je tenais vraiment à dire merci à ces 111 000 personnes qui me suivent ici sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce parce que je fais un bon travail? Est-ce parce que vous aimez ma petite personne? Est-ce parce que j'ai cette grosse tête là où je ne sais pas. Mais franchement, je tenais vraiment à vous dire merci parce que on ne s'abonne pas à une chaîne YouTube parce qu'on s'abonne à une chaîne YouTube. Surtout quand il s'agit simplement d'un individu qui essaie d'analyser un peu l'actu du showbiz, de donner certaines informations, de dire certaines vérités, de recadrer certains artistes. Et malgré cela, qui est suivi par plus de 100 000, 111 000 personnes, je pense que c'est à féliciter. Les félicitations sont à votre endroit, honnêtement. Je vous dis merci. Merci, merci infiniment. Bientôt notre trophée arrive et ce sera la confirmation. Voilà, continuez à vous abonner en tout cas, ça fait plaisir. Et puis surtout, surtout, partagez mes vidéos. C'est ça la récompense. Surtout aussi likez. Bref, parlons maintenant de ce featuring là. Parlons maintenant de ce featuring là. Et j'oubliais, rendez-vous à 16h. Rendez-vous à 16h. Soyez connectés sur ma chaîne ici à 16h. Il y a une vidéo en l'air. Voilà. On pas trop parler pour l'instant, là on parle de ce featuring là. En tout cas, merci cher légionnaire de m'avoir emmené aller écouter ce morceau là. Peut-être qu'il n'est pas encore sur YouTube parce que je l'ai écouté ici 10 heures, honnêtement. C'est un gros featuring parce que c'est un morceau ambiance à la congolaise. Et comme vous savez très bien que l'artiste de Bordeaux est un artiste tout terrain, je vous invite à aller écoutez ce morceau, allez streamer parce que ça mérite vraiment beaucoup beaucoup de stream. Excusez-moi, je me sens pas trop bien, donc normal que je tousse souvent dans mes vidéos. Ce qui va pas m'amener à reprendre encore la vidéo. Bref, juste pour rigoler. Donc, c'est un featuring entre Héritier Watanabe, un artiste congolais connu de tous, qui pour ma part a à peu près le même thème vocal que Fally Ipupa. Parce que c'est un artiste, honnêtement, pour dire vrai, que je ne suis pas trop. Voilà, je ne suis pas trop. Et il m'a encouragé encore à ne même plus le suivre depuis sa vidéo qui avait fuité sur les réseaux sociaux. Dieu merci qui est derrière nous maintenant. Mais j'ai découvert un artiste pétri de talent. Héritier Watanabe, il est aussi fort que ça, je ne le savais pas, honnêtement. Je comprends pourquoi il y a certains de mes potes qui l'adulent autant. En tout cas, il est très fort. Donc, quand vous voyez deux grosses pointures musicales comme ça sur un morceau, vous imaginez un peu ce que ça peut donner. On connaît tous Des Bordeaux avec son thème vocal très particulier et ça donnait ce que ça a donné. Moi, perso, pour vous dire vrai, hein, pour vous dire vrai, le featuring, il est lourd. Le featuring, il est lourd. Mais j'ai pas senti vraiment Des Bordeaux se mettre à 100% sur ce featuring-là. Vous connaissez bien Des Bordeaux. Voilà. Je pense que ce morceau-là, bien qu'il est intéressant, bien qu'il a très bien chanté, mais je pensais que il allait nous démontrer plus que ça. Voilà.
C'est pas une critique négative, hein. Je suis pas en train de dire que De Bordeaux a mal chanté. Non. Mais je connais De Bordeaux, je connais la capacité vocale de De Bordeaux, je connais les amener de Bordeaux sur des featuring. Bon, je pense qu'il n'a pas voulu trop mettre du 100% dans ce morceau-là. Bien qu'il y a de belles mélodies dans ce morceau-là, ben, j'ai pas été trop satisfait. Dans l'ensemble, le featuring me plaît. Je vais pas vous le mentir. Et désolé si je le diffuse pas dans cette vidéo décryptage-là. C'est pour des questions de droit d'auteur. Voilà. Par moment, il faut faire des vidéos et faire écouter certains morceaux comme je l'ai fait hier. À vous, mes abonnés, dans le direct, bah, cette vidéo-là sera pas monétisée, par exemple. Vous voyez un peu, non? Donc, c'était un peu pour vous montrer que De Bordeaux était un grand artiste, parce que j'ai joué que du sale, et je vous disais que du sale était un morceau très puissant, plus puissant que certains de ces morceaux qu'il avait déjà eu à faire dans le passé. Mais ce featuring-là, je pense que c'est un cocktail entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Et Dieu merci, la Côte d'Ivoire ne s'est pas laissée faire. On sait que les Congolais, ce sont des super grands chanteurs. Eux, ils sont nés avec. Voilà, c'est pas à discuter. Donc, j'invite tous mes abonnés qui n'ont pas encore écouté ce featuring-là à aller l'écouter et venir vraiment donner vos vraies envies en commentaire sous cette vidéo-là. Voilà, parce que si vous écoutez seulement mes propos, à vous emmener à aller écouter le morceau, tout simplement, et à s'arrêter là, ça ne sera pas intéressant. Quand vous finissez d'écouter cette vidéo décryptage là, pour comprendre ce que je dis sur la performance de Bordeaux sur ce morceau-là, je vous invite à aller sur Deezer, sur toutes les plateformes pour écouter. Et vous verrez de quoi je parle. Honnêtement, moi, le morceau m'a satisfait. Parce que c'est un morceau de grosse pointure. Deux monstres se sont, comme on dit, laissés musicalement dans ce morceau-là. Donc imaginez ce que ça peut donner. C'est un gros travail. C'est un gros travail abattu. Et j'ai dit merci à Hérité Watanabe qui a eu confiance à, comment je vais dire ça, à De Bordeaux Likoufa, Hérité Watanabe et son staff qui a eu confiance à De Bordeaux Likoufa pour figurer sur son album Mi-Ange, Mi-Démon. Voilà, c'est un album dans lequel figure le featuring Hérité Wata. De Bordeaux Likoufa. Et le titre de ce morceau-là, de ce titre-là, c'est Téléma, si je ne me trompe pas. Franchement, c'est un chef-d'œuvre musical, il n'y a rien à dire. Les deux artistes-là ont chanté. Les deux artistes ont vraiment, vraiment chanté. En tout cas, De Bordeaux, merci de nous faire honneur, quel que soit le terrain où on t'envoie. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire parce que musicalement, tu es au point. Côté vocal, rien à dire. Mais j'avais envie de te voir encore plus déployer cette gorge-là. Voilà, cette puissance vocale-là dans ce morceau-là. Parce que tu as été plus animateur que vraiment chanteur dans ce morceau. Voilà, c'est pour ceux qui ont déjà écouté le morceau Téléma de De Bordeaux et de Hérité Wata. Vous savez que De Bordeaux, bien qu'il a mis certaines mélodies dans le morceau, mais il était plus animateur, c'est-à-dire plus ambianceur. Voilà, c'est-à-dire avec les animations à l'ivoirienne, c'est-à-dire plus coupé-décalé. Je pense qu'il a apporté sa touche personnelle dans ce morceau-là. Et ce morceau-là mérite d'être vu et revu par tous les fans de ces deux artistes-là. Donc, je vous le dis, le featuring de Bordeaux et Hérité Wata est un gros hit qu'il faut encourager, qu'il faut aller écouter. Et jusqu'à ce que ça vienne peut-être sur YouTube, je ne sais pas, comme il y a toujours des chaînes qui diffusent des morceaux, je pense que c'est du lot, c'est du lot. Voilà, c'est vraiment, vraiment du lot. Et puis, je tenais vraiment à commencer cette journée avec ce morceau-là parce que je pense comme si c'était un gros cadeau que les légionnaires me donnaient d'aller écouter. Et j'ai pas regretté. Le morceau est vraiment puissant. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté, allez écouter. Pour ceux qui n'ont pas encore l'album de l'artiste Hérité Watanabe, Mi-Ange, Mi-Démon, il est disponible. Il faut aller streamer. Il faut aller l'acheter. Et c'est comme ça que nous encouragerons nos artistes africains. Merci encore et puis Téléma, c'est hit. Allez écouter et surtout vos avis en commentaire et surtout vos avis sur ce que j'ai dit sur De Bordeaux Likoufa. Est-ce que vous avez vraiment senti la performance vocale de De Bordeaux Likoufa sur ce morceau-là? J'attends vos commentaires. Voilà, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à 16h.